Voilà, ça filme. Je vois, depuis tout à l'heure, je vois, il voulait pas filmer. Niji! Niji! Elle est en train de gratter le canapé, mademoiselle. Elle profite. Là, je viens d'appuyer sur la caméra, elle gratte. Eh oh, Niji! Oh, voilà, elle est partie. Désolée, ça commence bien cette vidéo. Oui, je voulais donc vous faire un petit retour sur ma Dégustabox. Voilà, la dernière fois que je vous avais parlé de ma Dégustabox, j'en ai parlé dans le live, mais j'en ai parlé également à l'ouverture, c'était une catastrophe. Les chips, elles avaient débordé de partout, il y avait du gras partout. Voilà quoi. Et je vais vous montrer, j'ai ressorti mes photos. C'était pas la faute de Dégustabox, je pense que c'était la faute des livreurs. Hein. Vous voyez la taille de la boîte aux lettres et vous voyez la taille du colis. Donc c'était pas très très sympa. Donc j'avais plein de choses qui étaient cassées. Le paquet de chips éclaté partout. Du coup j'avais du gras partout, partout dans la box. Enfin bon, c'était pas bien. C'était pas bien. Et du coup j'ai envoyé un mail à Dégustabox pour leur prévenir. En fait c'était pas trop pour quémander un truc ou quoi que ce soit. C'est juste que pour leur informer que voilà, eux ils envoient des trucs corrects et à l'arrivée ça arrive tout pourri. Et les livreurs, la compagnie de livreurs fait peut-être pas forcément très attention, il faut le signaler. Sinon les prochaines boîtes box, je vais les recevoir comme ça, d'autres personnes vont les recevoir aussi. Donc ces choses là il faut le signaler. Il faut signaler quand ça va pas, il faut signaler quand ça va bien. Et là je fais une vidéo de retour parce que ça a été vraiment le service après-vente Dégustabox, franchement efficace, super efficace. Je vous explique. Donc j'ai envoyé le mail avec les photos que je viens de vous montrer. Et dans le quart d'heure, j'ai eu une réponse comme quoi ils allaient me renvoyer une autre box. Ok. Bon, bah écoutez, ça se refuse pas. Hein. Mais à la base, j'ai pas fait mon mail pour ça. C'était pour leur expliquer. On l'a reçu hier, mais hier, moi, j'étais au travail et j'en avais parlé à mon mari, tout ça. Et bah, du coup, lui, il a ouvert la box et il a consommé des choses qu'il y avait dedans. Il a rangé le reste. Et il a jeté tous les papiers qu'il y avait dedans. Mais j'ai quand même été fouiller la poubelle et j'ai été récupérer mon papier. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que c'est la même box et pique-nique et barbecue comme j'ai eu la dernière fois. Mais en gros, ça n'a presque rien à voir avec ce que j'ai eu. Voilà. Donc moi j'avais eu des bretzels, des gâteaux apéro qui piquent, j'avais une bouteille de cidre. Enfin une petite bouteille de cidre, du pâté de foie de morue, enfin des choses comme ça. Et là, enfin franchement, j'ai des trucs, je reconnais à peine. La box, on m'aurait dit c'est une autre box, j'aurais pu croire. Hein. Donc, je vais peut-être pas mettre la main là-dessus parce que c'est un peu, hein, c'était dans la poubelle. le paquet de chips, du coup j'en ai eu deux. Voilà, goût pomme frite et goût ça là. La sauce tikka machin, j'en ai eu une la dernière fois, j'en ai eu une là. La brandade, alors elle, je l'ai eu là, mais je sais que je l'ai déjà eu, mais je ne me souviens pas si c'était dans la dernière ou dans l'avant-dernière. Donc voilà. Le Ricola, on l'avait eu dans l'autre box aussi. Les Heineken, je me demande si c'était pas dans les box d'avant. Quand j'avais eu la grande bouteille de cidre, puisque là c'était la petite bouteille de cidre. Franchement, je me pose des questions. Le thé là, il est super bon. Alors franchement, celui-là, il est super bon. C'est du thé au matcha et à la myrtille. Il est super super bon. Et ça, je l'avais pas eu dans la box avant. Le mini échantillon là, que je croyais que c'était un pot, que j'ai cherché partout dans le colis la dernière fois. J'ai eu un autre échantillon là. Nature Valley, ça j'avais pas eu la dernière fois. Et la barre comme ça, j'avais pas eu non plus. Donc bon. Et le jus d'orange, on l'avait eu aussi. Moi j'avais eu orange 40 citron, c'était très très bon. Et là, je crois que j'ai eu orange et mandarine. Voilà, donc ils m'ont envoyé une box. Mais je trouve étrange que bon, ce soit pas les mêmes choses dedans. Mais bon. Des fois, les box, on met nos préférences, nos caractéristiques et tout ça. Il y en a, par exemple, qui vont pas prendre de porc, pas d'alcool, qui sont véganes. Enfin,
Enfin, je suis pas sûre qu'il fasse des choses véganes. Moi, je sais pas. Mais voilà. Donc, je vais vous partager dans la barre d'infos. Vous pouvez aller voir. Il y a mon code promo. Mon code promo, mon code de parrainage, en fait, qui va vous apporter 5 euros de réduction sur votre première box. Donc, c'est pas négligeable. On a des produits sympas. Enfin, franchement, il y a des produits sympas. Là, le problème que j'ai eu, c'était un problème de livraison. Voilà. C'est juste pour ça que je voulais revenir là-dessus. C'est pour vous dire que c'est bien. Voilà. C'est les vidéos coup de gueule. Enfin, c'était pas vraiment. Moi, c'était pas une vidéo coup de gueule. C'était mon ouverture qui s'était pas très bien passée. Mais je voulais faire le retour dessus parce que je pense que Dégustabox est une marque sérieuse et qu'ils ont fait les choses bien. Ils ont vu que ça. Ils ont vu. Heureusement que j'ai pris les photos en fait en même temps que j'ouvrais en vidéo. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, mais c'est pas très grave. Je vais vous expliquer. Je prenais les photos avec mon téléphone. Je me suis dit, je vais prendre les photos au fur et à mesure. Comme ça se verra. Alors, pique-nique et barbecue, ouais, c'est ça. Bon bah écoutez, c'est la même, mais c'est pas les mêmes produits. Il y en a aussi, ils ont reçu des chips d'algues, des trucs comme ça, j'ai vu. Alors écoutez, je pourrais pas vous dire. Parce que là, il y a des. Oui, on avait reçu un sirop Zip Zap à l'eau de boulot. Moi, on a goûté, c'était pas terrible. Granny secrète, je me rappelle plus. Ouais, il y a des trucs là dans cette box qui ne correspondent pas à celle que j'ai eue la dernière fois. Bon. Bah, écoutez, hein, c'est la surprise pour tout le monde du coup. La printanière, elle était sympa aussi, celle que j'avais reçue avant avec l'Arizona. Ah oui, et puis du coup, dans ma box, j'avais eu 2 bouteilles d'Arizona parce que j'avais eu quelque chose. Aussi d'abîme, ils avaient. Oh, je m'en rappelle plus. Produit de remplacement. Moi, ouais, j'avais eu un produit de remplacement parce que j'avais eu un produit d'abîmé aussi. Alors, c'est bien parce que dans votre box, si vous avez un produit d'abîmé, bah, ils vous le remplacent dans la box d'après. Voilà. Il y a des systèmes d'abonnement. Moi, c'est ce que je préfère. Et voilà. Ah non, les petites boules apéro qui piquent, c'était dans la box d'avant. Ok. Il y a des choses en commun dans les box et il y a des choses un peu différentes dans chacune des box. Voilà. Donc j'ai vu que récemment, il y a quelqu'un qui a dû s'abonner avec mon code de parrainage. Donc je te remercie beaucoup, hein, parce que moi, ça me fait des petits points. Et quand je cumule des petits points, bah, j'ai une box gratuite. Donc bon, je crache pas dessus. Et abonnement, tac tac tac. Attendez, non, c'est là, non, c'est pas là. J'ai allumé mon ordi, c'est vachement bien préparé. Ouais, alors, mon code de parrainage, je vais vous l'écrire là et je vous le remettrai en barre d'infos parce que je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à aller dans les barres d'infos. Ça dépend sur quel appareil. Vous regardez la vidéo, donc je vais vous le coller. Ouais, du coup, moi, ça m'apporte 50 points. Et vous, ça vous fait 5 euros de réduction. Donc ça, c'est bien, 5 euros de réduction. Donc, Corinne. Oh, j'écris comme un caca, là. Bon, j'écris de l'autre côté. Corinne. Bah oui, hein, mais de toute façon, moi, je le mets, mon code. Hein. Je me cache pas, moi, que ça m'apporte des trucs. Hein. Voilà. Hop, 21-36. Voilà, sur une chute de papier. Oh, l'écriture de merde. Corinne K, avec le trait du milieu, là. 21-36. Voilà, Corinne. Le tiret du 6, là, le tiret du milieu. 21-36. Voilà, si vous voulez vous laisser tenter, découvrir des produits. Moi, j'apprécie beaucoup. Souvent, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de chips, mais nous, on est des consommateurs de gâteaux apéro, de chips et tout, donc nous, ça nous dérange pas trop, même si des fois, bon, on se dit qu'ils pourraient mettre un peu autre chose.
Mais à côté, il y a des produits, des belles découvertes. Donc voilà mon retour sur la Degusta Box. Ils m'ont rien demandé, hein. Ils m'ont pas demandé, vous ferez une vidéo de retour ou quoi que ce soit. Et je suis sûre qu'ils savent même pas que je fais des vidéos à propos de la Degusta Box. Donc c'est de moi-même que j'ai voulu remettre les choses à leur place et dire et pas finir sur une note négative de la dernière fois. Voilà, par contre celle du mois prochain, il y a des chances que vous la voyez pas parce que je vais la recevoir et c'est pas moi qui vais la réceptionner. Donc la personne qui va la réceptionner profitera des produits qu'il y aura dedans. Donc je pense que celle du mois prochain, vous ne la verrez pas. Voilà. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et j'espère que vous avez passé un bon petit moment sur cette vidéo qui n'est ni un haul, ni une création, ni un unboxing, ni quoi que ce soit. C'est juste une précision. Voilà, qui a quand même duré 12 minutes. Ok. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. À très bientôt.